Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau cours de guitare. Alors dans ce nouveau cours, je vais vous montrer comment utiliser la gamme pentatonique sur un morceau de Calvin Russell qui s'appelle Soldier. Et en fait, on sera à mi-chemin entre la gamme pentatonique mineure et la gamme mineure naturelle. Donc je vais vous montrer une astuce pour pouvoir sonner un peu comme sur l'introduction de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est analyser la grille. Donc n'oubliez jamais qu'avant de vous lancer sur votre gamme pentatonique mineure, je vous l'ai déjà dit, hein, commencez par analyser la grille et essayez de voir s'il n'y a pas quelques subtilités harmoniques qui vont vous permettre de colorer en fait vos improvisations. Premier accord, la mineure. Accord suivant, fa majeur. Et on termine avec le sol. Donc, lorsqu'on entend la grille d'accords et l'accompagnement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a des petits mouvements mélodiques sur chacun des accords. Sur le La, on entend ici la neuvième. Donc, c'est la corde de Si à vide ici. Donc, le Si par rapport au La, c'est bien la neuvième ou la seconde. Ensuite, on entend le même mouvement mélodique sur l'accord de Fa. Alors le Si par rapport au Fa, c'est plus la neuvième, mais ça devient sa dièse 11. Et ensuite, on a le même mouvement sur le Sol. Alors sur le Sol, ça ne change pas grand-chose, parce que le Si, c'est la tierce majeure de l'accord. Pourquoi ces informations sont importantes? Eh bien parce que dans notre improvisation, on va pouvoir venir jouer ces notes, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qu'on va pas faire, c'est jouer, pour commencer, la gamme pentatonique de La mineur. Mais on va jouer la gamme pentatonique de Mi mineur. Alors pourquoi est-ce qu'on joue une gamme de Mi mineur pentatonique sur un morceau en La mineur? Eh bien tout simplement, puisque dans notre gamme de La mineur, on n'a pas la note Si qu'on entend dans l'accompagnement sur tous les accords. Alors que dans notre gamme de Mi mineur pentatonique, on a cette note Si. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on va pouvoir donc rajouter cette couleur dans notre improvisation. Alors, la question qu'on pourrait également se poser, c'est pourquoi ne pas directement rajouter en fait le Si dans notre gamme pentatonique mineure de La. On peut. Bien sûr, on pourrait le faire. Par contre, ça vous demande de connaître votre manche par cœur. Donc, ça va retrouver donc cette note, un Si, partout sur le manche, ou de connaître vos intervalles. Par exemple, si on joue en position numéro 3, voilà, d'être à l'aise avec ça. Pourquoi je ne rajoute pas le Si, comme je viens de vous le montrer? Alors, je peux le faire, mais dans cette improvisation particulièrement, je ne l'ai pas fait, puisque j'ai trouvé intéressant le fait de jouer sur la gamme pentatonique de Mi mineur, puisqu'en fait, ça nous fait entendre, ça crée une tension. Lorsqu'on commence ici sur le Mi, cette note Mi, correspond à la quinte de l'accord. Donc ça évite en fait de venir jouer ça évite en fait de venir jouer la tonique de l'accord et systématiquement venir résoudre sur la tonique. À un moment, donc j'ai relevé un plomb hein, dans le morceau qui fait ça. Voilà, le plomb termine ici sur le Mi. Et ça correspond donc à la quinte. Alors ça, c'est intéressant, puisque dans le cycle suivant, ça va nous permettre de faire une réponse où cette fois-ci, on va terminer sur la tonique et donc fermer la boucle. Donc, je fais un plan comme ça.
Et cette fois-ci, je finis sur le La. Et alors, juste pour terminer, une dernière chose que je trouve vraiment géniale, c'est que vous pouvez, finalement, ce concept l'appliquer aux autres accords. Donc là, on est parti du La mineur. Et on a joué Mi mineur pentatonique. Donc, on est parti de la quinte de l'accord. D'ailleurs, si on pose l'accord, on voit bien ici le Mi. Alors, on voit bien qu'on a un Mi 5 ici. Vous pourrez faire la même chose sur le Fa, par exemple. Si vous voulez faire entendre un Fa 9, eh bien, vous partez de sa quinte. Et vous pourrez faire la même chose. Par contre, là, vous devrez jouer une pentatonique de Do majeur. Et sur le Sol, si on voulait suivre la grille, hein, eh bien, on partirait du Ré. Donc la quinte du Sol, c'est le Ré. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, vous pouvez, puisqu'en fait, il y a un rapport entre toutes ces gammes pentatoniques. Hein. Le rapport, c'est qu'elles font toutes partie de la gamme de Do majeur. Voilà, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, puisque je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais toutes ces gammes que j'ai utilisées, aussi bien Mi mineur, La mineur, Do majeur pentatonique et puis Ré mineur font partie de la gamme de Do majeur. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser donc un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Salut !